Notre projet, c'est un bac de fleurs et de potagers pour les personnes pour qu'ils puissent jardiner sans trop de difficultés. Et ce projet est fait à base de palettes de récupération. Là-bas, on va amener sous forme miniature le bac à légumes qu'on a créé. On va amener avec une marionnette qui a été créée par une artiste de Charleville. On amènera aussi les mains des personnes âgées qu'on a fait avec du plâtre, en plus du petit bac qui est une partie 2 avec nous là-haut. On a pu partager beaucoup de temps avec eux. On a pu apprendre à faire des choses qu'on ne savait pas forcément faire. Ça nous a tous rapprochés et même avec les personnes âgées. Alors on a pensé à valoriser les caractéristiques architecturales de la villa romaine, comme par exemple les cours intérieures. Ça nous a permis d'être inspirés par une petite cour qui n'était pas très utilisée à l'époque de Jean Jaurès. Il est important d'améliorer l'habitat, mais aussi de s'intéresser aux habitants et savoir ce dont ils ont besoin pour vivre heureux. Et associer des seniors et des juniors comme nos élèves, c'est vraiment une réussite.